pour former une coalition, qui va porter, qui va diriger la paix. Ça, je peux être formel là-dessus. Mais toute autre considération voudrait que un candidat de la paix aux élections soit désigné par les militants de la paix. Et ça, je crois que ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de discussion au sein du parti pour que, si localement, nous puissions dire que telle personne sera notre candidat. Par contre, oui, c'est vrai, la paix a discuté avec d'autres partis politiques. Et puis, vous voyez maintenant, même à ce jour-là, il y a actuellement des tiraillements, même à l'intérieur des partis qui sont soi-disant regroupés pour désigner Mansour Faye comme candidat. Je pense que cette question-là ne peut pas être à l'ordre du jour et je pense que les listes ne sont pas encore faites. Tant que les listes ne sont pas encore faites, on ne peut pas dire que c'est telle personne qui a été désignée candidat. Moi, personnellement, je n'ai encore participé à aucune réunion de la paix ici au niveau local qui a désigné quelqu'un comme étant le candidat de la paix. Par contre, bon, on entend dans la presse un certain nombre de choses. Et je ne peux pas me contenter moins de cela. Et donc, je suis libre, comme autonome et comme Saint-Lucien, de pouvoir dire que la mairie de Saint-Louis m'intéresse. Et c'est sur ce plan-là, je crois que, je le répète et je le dis, j'ai fait mon travail ici à Saint-Louis, au point que c'est une question qui, depuis plusieurs mois, on me pose cette question, mais en tant que militant discipliné, j'ai attendu que le parti en décide. Et je crois qu'à ma connaissance, je n'ai pas...